know. But you still here with me? Where my dogs at? What's my name? Noel, nice job defensively. One more time! Let's get it on! Get it on the floor! What? Get it on the floor! What? Get it on the floor! Now, what? Get it on the floor! Don't start nothing, it won't be nothing. Let's get it on! Et parce qu'il ne faut jamais perdre espoir, amis des Knicks, bonjour ou bonsoir. C'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de The Knicks Episode avec l'équipe habituelle. Hein. Salut Joanie. Salut, quoi de neuf? Salut Julien. Salut les gars. Et un invité spécial aujourd'hui en la personne de Guillaume. Guillaume qui anime entre autres un podcast qui s'appelle Knickercaster. Avant toute chose, Guillaume, est-ce que tu pourrais un peu te présenter et nous expliquer un petit peu ce que tu réalises, notamment sur Twitter? Salut les gars, déjà merci de m'avoir invité. Hein. Ça fait plaisir de pouvoir discuter des Knicks avec vous. Hein. Ce que je réalise sur Twitter, j'ai créé en janvier 2020 un podcast qui s'appelle Knickercaster, hein, du coup centré sur les New York Knicks, donc plus de l'analyse de match, des débats avec des invités. L'objectif de ce podcast, c'était de pouvoir échanger avec pas mal de fans des Knicks. Ouais, c'est vraiment ça l'objectif. On est tous sur Twitter, on suit un peu l'actualité NBA, on échange un peu sur notre passion sur Twitter, mais parfois c'est pas toujours simple de discuter avec les gens sur Twitter. Oui. Le format micro-blogging est des fois assez réducteur. Donc. Exactement. Et c'est ça que je trouvais un petit peu frustrant, du coup, en tant que fan, hein, parce que... Je me disais, moi, parfois, j'ai envie d'échanger avec des gens, mais j'ai pas envie d'avoir une contrainte de caractère parce que j'ai envie de vraiment de développer mon idée. Du coup, je me suis dit, j'avais commencé à écrire des articles pour NyxFR, Antoine, s'il nous écoute, je fais un petit coucou. Je me suis dit, j'avais toujours pensé à ce format et je me suis dit, vas-y, lance-toi. Je me suis acheté un micro, je me suis lancé. Ça a été super bien accueilli, déjà par les comptes Twitter Nyx, hein, parce qu'il y en a. Il y en a pas mal. J'ai eu pas mal de soutien et j'ai continué. J'ai pu inviter pas mal de personnes, de tous fans des Knicks, bien sûr, mais ça a permis de rencontrer des gens. C'est comme ça aussi que je vous ai rencontrés et d'avoir des avis différents sur des sujets. Et c'était ça qui est intéressant. Donc, l'intérêt du podcast, c'est d'échanger avec des personnes qui n'ont pas forcément le même point de vue que toi. Et c'est justement c'est ce qui fait la valeur d'un débat. Hein. Ça enrichit toujours le débat d'avoir des points de vue différents. Quoi. Tout à fait. La communauté des Knicks est assez riche. Riche en idées, en points de vue, en sensibilité. On te remercie d'ailleurs parce que tu nous as déjà invités, donc c'est à notre tour de te rendre l'appareil et de t'inviter sur le podcast. Cette fois-ci, le montage est pour toi. C'est ça. Donc, tu as le plaisir de venir participer sans avoir la contrainte post-prod. Et donc Knickercaster qu'on peut retrouver où précisément? Alors on peut retrouver bien sûr sur le merci de la passe décisive. J'ai un compte Twitter du coup @Knickercaster tout attaché. Vous pouvez retrouver sur la plateforme Ocha, c'est la plateforme que j'utilise comme hébergement, et sinon sur toutes les plateformes Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Podcast Addict, Google Podcast, je suis à peu près sur tout. Non, mais là, vous pouvez trouver The Knicks Episode, vous pouvez trouver Knickercaster. Donc, c'est des podcasts complémentaires, on ne traite pas forcément les mêmes sujets au même moment, même si finalement on parle de la même équipe, mais il y a des angles d'analyse qui sont différents, des sensibilités différentes. Je crois sans mentir qu'on n'est pas non plus des mêmes générations, tu dois être un petit peu plus jeune que nous, donc tu viens rajeunir un petit peu cette plus équipe. Jeune que vous, c'est vrai. Et du coup, ça serait intéressant, ça va être intéressant justement d'avoir ton point de vue. Un peu plus jeune sur la situation des Knicks. Toi, tu suis les Knicks depuis quand? En fait, tu peux peut-être nous y dire un peu plus aussi sur ton parcours en tant que Knicks fan. Quand est-ce que tu as plongé dans la Knicks mania? J'ai plongé, fin collège, début lycée.
En fait, ça a commencé avec les Jeux Olympiques de Londres. Donc, c'était en 2012, il me semble bien. Sacré mélo. T'étais en fin de collège ? J'étais 2012, ouais. J'étais en collège, ouais. J'étais au collège en 2012. Il y en a qui ont pris les cheveux blancs, je peux te dire. Ah, là, je suis désolé, les gars, là. C'est pas grave. C'est peut-être pas bon pour le moral, là. Mais ouais, donc c'était pour au JO de Londres. Je regardais pour l'équipe Team USA, toutes les stars, Kobe. Et en regardant les matchs, je vois un mec qui arrête pas de scorer à tout va. Et je me dis, mais qui c'est ce mec? Et c'était Carmelo Anthony. Numéro 15 hein, avec Team USA, hein. Je crois que c'est numéro 15. Hein. Exactement, même numéro qu'à Denver. Ouais, il me semble que c'était le 15. Si. C'est autant, enfin, on l'a connu avec le numéro 7 et on a envie de se dire, ouais. Mais il a tout le temps porté le numéro 7. Mais non, je crois que c'est le 15 avec Team USA et ouais, comme à Denver. Ouais. Et voilà, du coup, à ce moment-là, je regardais pas encore la NBA, mais je me suis intéressé à ce mec qui scorait plein de points. Et je regardais un peu de loin la NBA, je suivais principalement à cause de Melo. Je regardais la highlight sur YouTube, le début de YouTube, truc avec, avec la musique, les musiques électro ou rap, gros rap américain. Et en fait, c'est comme ça que je suis tombé amoureux de l'équipe. Hein. Et après, j'ai commencé vraiment au lycée à regarder les matchs. Donc là, c'était plus vers la fin Melo, juste avant qu'il soit tradé, enfin qu'il parte à OKC. Et bon, du coup, en fait, j'ai connu le meilleur et le pire de Melo. Donc, les enflammades qui faisaient hurler le Garden avec les 43 points, les 3 points successifs. Et j'ai connu les systèmes juste pour Melo où il gardait toujours le ballon. L'iso Melo, ouais. Il y a un côté très passionnel avec... avec Melo, je l'ai beaucoup aimé et parfois je l'ai aussi vraiment détesté dans son côté un peu trop perso quoi. mais c'est grâce à lui que je suis devenu fan des Knicks et c'est un joueur que j'apprécie énormément. Et après bah voilà, ça a continué. T'es pris d'affection pour l'équipe. C'est ça, je me suis pris de l'affection pour l'équipe et quand je commençais vraiment à commencer à regarder pas mal les matchs, j'étais de Strasbourg et il y a Frank Ntilikina qui venait de la SIG qui est arrivé au Knicks en plus, donc j'étais aussi content de voir quelqu'un qui vient de ta ville, de l'équipe de ta ville arriver en NBA. C'est quand même un truc de fou, quelqu'un que t'as vu jouer. Ça a pas fonctionné comme prévu, mais les mauvaises langues diront que tu l'as peut-être plus vu jouer à la SIG qu'au Knicks, mais j'ai vu plus de belles choses à la SIG, ça c'est sûr, mais voilà, donc m'a encore un peu plus fait aimer les Knicks. Et bon, il y avait aussi Porzingis que je trouvais, enfin je m'attachais hein, vraiment pour tous les joueurs, donc quand même nos meilleurs joueurs, parce que bon, on a eu des périodes où il y a des joueurs bon, même si t'aimes l'équipe, c'est difficile de t'attacher. Il y en a pas mal qu'on a déjà oublié, hein, c'est ça, qui ont été de passage et d'autres que j'aimerais oublier justement. Mais voilà, donc ouais, c'est Melo d'abord hein. qui t'a fait aimer les Knicks et bon, tu n'es pas le seul dans ce cas-là, on te rassure. Mais du coup ouais, c'est vrai que j'ai pas connu les Knicks dans la période d'or des années 90, c'est avec Melo quoi. Ouais, maintenant il y a des belles images d'archives. Hein. C'est ça, bah oui. Qui te permettent de te replonger dans l'ambiance aussi et t'imprégner un peu de cette culture-là. Parce que pour en revenir un petit peu à l'équipe actuelle, on va quand même replacer le contexte hein, à l'heure de ce podcast. Donc en fait, nous sommes dimanche. Les Knicks sortent d'une série de 9 victoires d'affilée. Série en cours. Est-ce que tu peux redire la phrase? C'est important de bien contextualiser. Les Knicks sortent d'une série de 9 victoires d'affilée, messieurs dames. 9 victoires d'affilée. Autant dire que le printemps est doux du côté du Madison Square Garden. La dernière, justement, victoire en date était face aux Raptors. Match relativement bien mené. Et donc, à l'heure où on se parle, le bilan des Knicks est à 34 victoires et 27 défaites. Ça doit nous classer assez haut, ça. Les Knicks sont quatrième de la conférence. Non, c'est juste énorme. Et donc, du coup, moi, j'aimerais tendre la perche. La Porsche. Ouais, la Porsche. Aussi. On est dans le big big. Maintenant, en rêve, on voit grand, on voit Porsche. Juju, cette série. Mais qui va arrêter les Knicks? Écoute, j'ai envie de te dire personne. Parce que là, je pense qu'on est bien parti pour le titre NBA.
Voilà, si vous avez un petit pari à faire, c'est peut-être le moment. Supporter d'Enix, on est toujours mesuré. Non, bah, écoute, on est dans le kiff. Dernier podcast en date, je vous l'ai dit, pour moi, si on n'est pas en play-off, sans passer par les play-in, je serais déçu. Pour l'instant, on en prend le chemin. Après, il reste encore 11 matchs, ça peut vite dégringoler, parce que derrière, c'est quand même à 2-3 victoires. Ça se joue, mais on est pas mal. D'autant plus, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que là, on a joué 5 matchs à domicile d'affilée. Là, on en a encore un à jouer face aux Suns. Et ensuite, après, on est parti sur... On a encore deux matchs. Et Suns et Bulls, c'est encore à domicile, autant pour moi. Et ensuite, après, effectivement, on part sur un gros road trip à l'ouest où on aura 6 matchs contre les grosses têtes d'affiche. Donc, ouais, les 12 derniers matchs vont jouer au couteau, quoi. Après, pour moi, si on est sixième, je signe tout de suite. Je ne vois pas rester à la quatrième, mais voilà, sixième, ça serait quand même une belle réussite. Non, sinon, le kiff est là. On en a déjà parlé, mais c'est vrai que c'est l'attitude, encore une fois. Il n'a jamais les matchs. J'ai le match face à Memphis, le match face avec elle aussi Atlanta, où, putain, en troisième quart-temps, tu dis c'est chaud. Et ça revient, ça arrache des prolongations, ça casse des bouches en quatrième quart-temps, donc c'est formidable. On parlera après spécifiquement de certains trucs, de certains joueurs après. Moi, je vais juste faire un petit big-up à un joueur qui s'appelle Nerlens Noël. Il n'est pas très emballé par lui plus d'une fois. En début de saison, on a dit qu'il était moyen, c'est vrai. Blessure de Mitch, sincèrement, je me suis dit, waouh, c'est un peu chaud, Noël, voilà. Le mec, il fait pas de vagues, on l'entend pas. Mais alors, putain, il est incroyable. Non, mais sérieux, et en plus, incroyable. Donc, il a une mentalité extraordinaire. Il se donne à 100%. Il joue pas mal de minutes parce que, bon, il n'y a que Pepertage derrière et puis, comme il s'appelle, Norvel Pelé qui doit jouer 2 minutes. Mais tu vois, et le mec est décisif. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des matchs où on est au coude à coude, serré, mené de 2, 3 points et tout. Et Noël, qu'est-ce qu'il fait? Il te sort le contre qu'il faut au bon moment, qui rebooste l'équipe. C'est pas des contres où t'es à plus 12, hein, où c'est tranquille, tu joues rien. Le mec, il te met des contres décisifs, clutch, il s'arrache à chaque fois. Il est extrêmement clutch en défense. Et franchement, j'adore son attitude. Alors bien sûr, offensivement, on en a déjà parlé. Mais franchement, voilà, je voudrais... S'il m'écoute, Nerlens. Mais bien sûr qu'il nous écoute, il nous suit d'ailleurs. Ah là, je sais pas, dimanche, je sais qu'il avait un barbecue. Bon, bref. Non, mais si, sérieusement, big up à Noël, parce que les autres joueurs, on en parle tout le temps, Randle, Barrett et tout. Mais voilà, on le paye pas si cher que ça cette saison. Il était parti pour être backup. Il se tape 35, 36, 37 minutes, des fois, sans Mitch pour alterner. Et le mec répond présent. Et fait un taf énorme et merci à lui. Ah mais clairement, et Nerlens Noël en plus c'est l'attitude, hein. Il donne son corps à la science quoi. Il y a pas un match où il ne sort pas pour cause de pète reçue quoi. Donc ça souligne vraiment l'état d'esprit de Nerlens Noël et puis j'ai envie de dire de l'équipe en général. Il y a l'attitude qui transpire, une attitude vraiment positive et guerrière. Ouais, c'est ça. Qui on le voit hein, sur les ça célébrations, transpire. sur la porte de la Second Unit. Toi, justement, Johanny, par rapport à ça, la Second Unit, là, il y a quand même quelque chose qui se passe, mais clairement. Moi, les gars, je vais vous le dire. On va être clair. Moi, je suis retombé amoureux de cette équipe. Hein. C'est fou, quoi. Je veux dire, il y a des joueurs qui sont limités. Elfrid Payton, tout le monde lui chie dessus. Il a un jeu limité, tout ça. Mais chacun apporte sa pierre à l'édifice Knicks, en fait, cette saison. Nerlens Noël, on l'a dit, en attaque, il a pas de main, quoi. Par contre, en défense, les mains, là, il les a, quoi. Et ils sont tous comme ça, en fait. Reggie Bullock, pareil, en ce moment, il est dans une forme super, quoi. Et des deux côtés du terrain, en plus. On pense souvent, on dit souvent, les 3 points et tout décisif, mais en défense, c'est souvent lui qui scoltine le meilleur attaquant adverse aussi. Donc, non, ils sont tous engagés à fond, ils sont en mission, quoi. Ils se prennent pas la tête, ça sourit, ça rigole, ça s'encourage, ça se relève quand les joueurs tombent. C'est vraiment un groupe, en fait, c'est une équipe, quoi. Et bien plus que des individualités, des stars et tout qui brillent et qui attirent la lumière. Cette année, oui, il y a Julius Randle, oui, il y a R.J. Barrett, oui, il y a Emmanuel Quickley, oui, il y a Thibodeau, parce que Thibodeau, derrière son masque, c'est quand même le grand Manitou derrière tout ça aussi, mais c'est un groupe, quoi. C'est un groupe, quoi. En fait, l'équipe, elle est kiffante parce que elle joue en groupe et c'est aussi ça qui nous avait fait aimer les Knicks il y a quelques années. Et c'est ça qu'on retrouve. Il y a eu Melo, on en a parlé, Guillaume l'a bien dit. On a eu ce genre de joueurs qui attirent la lumière, des joueurs stars. Beaucoup de gens ont rêvé de stars à New York et jusqu'à il n'y a pas longtemps. Mais finalement, là, on retrouve ce qui nous a fait vibrer pour les Knicks, à savoir une équipe qui n'a peut-être pas forcément tous les meilleurs talents de la ligue,
mais qui arrive à jouer, à accrocher des matchs, à gagner des matchs. Et là, c'est une 9 victoires, quoi. J'ai vu un papier, je sais plus si c'était sur quel journal américain, qui disait la différence entre les Knicks et les Nets, c'est que oui, les Nets possèdent 3 stars incroyables sur le papier, mais en ce moment, ce que montrent les Knicks dans l'énergie, dans la mentalité, les gens deviennent, enfin, sont plus amoureux d'une équipe comme ça et s'attachent forcément plus à une équipe un petit peu d'underdog, de revanchard et de gars qui se donnent tout. Que des starlets divins un petit peu, parce que ça aussi, c'est des choses qui fatiguent dans la ligue. Bon, je vais pas faire une fixette sur Brooklyn, mais en plus, eux, dans le niveau starlet, ils ont pris 3 cassos, donc je parle du talent, je te parle au niveau starlet, tu vois. Donc, c'est sûr que ça fait du bien d'avoir une mentalité saine. Et toi, Julius, Thibodeau et RG, ces 3-là, pour des raisons différentes, c'est 3 revanchards quand même. C'est-à-dire que Thibodeau, après son passage à Minnesota, ou même moi le premier, tu vois, beaucoup ont eu des doutes. Randle, l'année dernière, il s'est fait bâcher. Il y a eu des doutes aussi, ouais, forcément. RG a été considéré comme un bust. Snobé, à chaque fois qu'il y a des classements ou des récompenses, il est complètement snobé. Donc, tu as quand même tous tes moteurs de l'équipe qui sont quand même revanchards et qui ont envie de... Et en plus, le dénominateur commun de tous ces gars, c'est que c'est des bosseurs. Ça, ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Tu l'as vu passer l'anecdote de Thibodeau qui est réputé pour être un mec, voilà, fait bosser 22 heures sur 24 ses gars. Et je crois que c'est Quickley qui l'a dit qu'il avait interdit à ses gars d'aller à la salle l'autre jour. Ouais, Il leur a donné un jour de off. Il a fait fermer le gymnase pour, parce que Julius Randle, il me semble, à un moment, on voulait quand même y aller, quoi. Ouais, Quickley, Randle, et puis je sais plus quel était le troisième, voulait y aller. Il a dit bon, les gars, ça suffit. Donc pour que Tim, on arrive à ça. Ouais. C'est que ça doit bouger. Ouais, mais du coup, c'est beau parce que ça montre qu'il y a une cohésion totale, en fait. Les mecs, ils se reposent pas juste sur une série de victoires, juste sur un match réussi. Ils savent que la réussite passe par le travail. Alors, faut aussi savoir, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et ils sont lancés dans ce marathon depuis le début de la saison. Donc, d'où les questions, les interrogations, jusqu'où ça ira, le temps de jeu, tout ça. On va y revenir. Mais ouais, en fait, on voit qu'il y a une adhésion complète entre le discours du coach, les joueurs, ce qu'ils montrent sur le terrain. Ouais, on n'a pas des starlets. Oui, on n'a pas de joueurs qui ont un melon plus gros que ce qu'il faut. Et c'est très bien, ça marche, ça fonctionne. Et c'est ça qui rend cette équipe encore plus attachante. Et ce qui est très attachant, on fait référence bien évidemment au Big 50 qui a été... Big 15 qui a été très bonne formule. En la réponse du Big 3 des Nets. Et justement, le Big 15 prend tout son sens quand on voit la répartition du scoring au-delà de Randle et de Barrett. Les facteurs X changent à chaque match. Ouais. Coup sur coup, c'est D-Rose. Coup sur coup, c'est Barrett. Bon, il y a Burks qui suit le protocole de santé. Il devrait faire son retour logiquement, hein, façon Suns ou Bulls. On verra. Mais voilà, il y a toujours cette répartition du score au niveau du troisième couteau qui montre la cohésion de cette équipe-là. Après, je sais pas ce que tu en penses, toi, Guillaume, mais tu vois, le fait que les factories soient changeants comme ça, ça prouve quand même que tout le monde est concerné. Bah oui, de toute façon, je suis d'accord avec déjà ce que vous avez dit précédemment. Je pense que ce qui fait la réussite des Knicks aussi, c'est qu'il y a un équilibre qui s'est installé. À défaut d'avoir, comme vous l'avez dit, le manque de talent offensif, on est face à vraiment... une espèce de petite armée, quoi, avec Tom Thibodeau comme général. Tout le monde connaît sa place, tout le monde sait ce qu'il doit faire. Et tu parles des facteurs X, on a une très bonne seconde unité, et ça aide énormément en saison régulière. Quand t'as tous tes starters qui sont un peu dans le dur, bah, ça peut te donner un second souffle à ton match. Et bon, bah, on l'a vu plusieurs fois, la seconde unité dans beaucoup de matchs nous a porté vers la victoire. Oui, c'est vrai qu'on a souvent des joueurs qui un peu chauffent et du coup nous permettent de survivre offensivement parce que c'est vrai que bon, on est une équipe vraiment très bonne défensivement. Hein. On est là, voire. On est les meilleurs de la ligue. On est les meilleurs de la ligue en défense. Mais c'est vrai qu'en attaque, on est très dépendant de scoring individuel de nos joueurs. Donc on a Julius Randle qui arrive très bien à créer son tir, qui est devenu cette année une bête à mi-distance. Et d'où aussi l'intérêt d'avoir aussi des joueurs qui peuvent totalement se créer son tir comme des D-Rose et des Alec Burks. C'est-à-dire que vu qu'on n'a pas de système vraiment offensif
Donc on compte sur les individualités de chacun, donc le fait qu'ils répondent présent. Et c'est pour ça qu'on a sélectionné D-Rose. Hein. On avait un manque de scoring criant, et le fait d'avoir des joueurs comme ça, qui, bah, on l'a vu encore hier soir, hein, qui se créent des tirs à mi-distance en sortie de dribble, qui peuvent faire des flotteurs après un pick and roll, ça aide, quoi. Donc... en fait, c'est signe que ça marche bien, mais c'est surtout vital pour notre équipe, vu que collectivement en attaque, c'est pas flamboyant, contrairement à notre défense. Du coup, on a besoin de ces joueurs qui prennent des coups de chaud, quoi. Bah, Thibodeau a jamais été réputé pour un jeu offensif très léger, donc c'est pas la révolution offensive avec Thibodeau, c'est plutôt la dureté, le sérieux, l'implication défensive. Mais après, c'est vrai que bah voilà, chacun apporte, et même si c'est assez limité offensivement, ça fonctionne. Et là aussi, on voit la grande différence par rapport à l'année dernière, bon, outre les résultats et la défense, c'est qu'on est aussi dans les meilleures équipes à 3 points, quoi. C'est ça qui est un peu surréaliste. On n'est pas la numéro 1, mais l'autre fois, j'ai regardé, on était numéro 6, quoi. Notamment Randle qui a vraiment évolué. Hein, ouais, énormément. Ouais. Il est passé de 29 à 40. Même RG, hein. RG aussi, hein. On en parlait souvent de son shoot, pas mal aussi. Il y a des soirs où il va continuer de passer un peu à côté, mais... Mais alors qu'année dernière, c'était topiné, l'année dernière, tu vois. Ça devient... On a des vraies menaces à 3 points. RG Barrett, c'est assez exceptionnel parce qu'il avait très mal commencé la saison. Je crois que les deux premières semaines, je crois qu'il était même en dessous de 30% de réussite. Et là, il a 3,9 3 points pris par match et il a 38,8% de réussite. En tenant compte des pourcentages dégueulasses du début de saison, franchement, il a... Ouais, là, c'est un peu logique parce qu'il a énormément travaillé son shoot. Oui. C'est un peu comme Parker l'avait fait il y a une période, après 4 saisons, 5 saisons NBA, quand il a voulu tirer à 3 points. Il avait expliqué qu'ils étaient obligés de revoir la gestuelle. Donc, RG a revu sa gestuelle cet été. Donc, forcément, quand tu attaques la saison, bah, ton geste est déréglé. Et on l'a vu que c'était dégueulasse, que ça ne rentrait pas, mais c'était vraiment moche. Mais au fur et à mesure, à force de travailler ce geste, c'est forcément dans une progression. Et puis retrouver le rythme de la compétition aussi, hein, parce qu'il y a eu un break assez long. Ouais, puis il y a la confiance aussi. Il a changé de geste, il a travaillé beaucoup, beaucoup son geste à 3 points. Et quand tu commences à les mettre, tu as confiance dans ton travail, dans ton coaching, dans tout ça. Et on a vu qu'au fur et à mesure qu'il les mettait, tu vois, il est de plus en plus serein. Et d'ailleurs, il y a un truc qui ne trompe pas, c'est qu'avant, il était dans le corner, souvent à droite, en 3 points. Il avait la balle une fois sur 3, une fois sur 4. Maintenant, une fois sur 2, s'il est ouvert, les gars lui passent parce qu'ils savent qu'il peut rentrer. Alors qu'avant, ce n'était vraiment pas le cas. Et ça, c'est une vraie évolution au niveau de l'équipe et du jeu. Et c'est une évolution aussi qui va se transcrire. Du coup, les gars adverses en défense ne peuvent plus laisser RG totalement libre comme il l'avait fait. Alors... comme certains avaient parlé, on laisse, on s'en fout, comme le gars de Minnesota, je ne me rappelle plus son nom, a dit « c'est pas grave ». Anthony Edwards. Voilà, de toute façon, il est sur la liste de RG, donc on verra bientôt. Mais voilà, ça nous permet d'avoir plusieurs menaces. Et comme disait Guillaume, on en a déjà parlé, mais l'apport de D-Rose est fondamental, puisqu'il te permet d'avoir vraiment un gars sûr, scoreur. Et quand tu as D-Rose, Julius, RG et un autre facteur X qui peut être Burks ou Bullock, l'air de rien, tu as une menace offensive qui est difficile à stopper pour l'équipe adverse, entre guillemets, puisque tu ne sais jamais qui peut avoir. Tu peux avoir du mi-distance, tu peux avoir du 3 points, tu vas pouvoir avoir de la pénétration. Et c'est vraiment très intéressant, chose qu'on n'avait pas du tout les autres saisons, et notamment l'année dernière, où c'était hyper stéréotypé, où nos attaques étaient nulles. Cette année, tu peux être dangereux sous tous les compartiments. Et comme les équipes adverses lâchent énormément de fatigue à défendre avec des morts de faim de notre défense, on voit souvent qu'en quatrième carton, on fait la différence parce que nos gars, bah, ils peuvent attaquer. Et en face, ils sont complètement KO. Donc ça, c'est vrai que c'est très, très appréciable. Oui, et puis c'est surtout aussi l'apport de la seconde unit aussi qui nous fait ça, dans le sens où l'impact est long et le rythme ne descend pas. Et forcément, tu as l'adversaire qui laisse des plumes dans le dernier carton. Puis après, bah, pour te rejoindre un peu, en termes de variété de jeu, ce qu'on propose cette année quand même en attaque, c'est quand même beaucoup plus sexy, beaucoup plus varié. Et le fait d'avoir des joueurs en confiance, bah, je pense aussi notamment à Randle, qui on l'évoquait tout à l'heure, il passe à 41% derrière la ligne, les gars. Avec le nombre de 3 points qu'il tente par match, c'est juste énorme. Et au vu du poste qu'il occupe... Ouais, va falloir le récompenser à un moment donné. Hein. Ah, belle transition, parce que alors forcément, avec la saison des Knicks et là, l'aube de quoi, de 12 matchs là, qui nous reste à... effectué, on va commencer à on va dire, se projeter sur les récompenses individuelles.
Déjà, là, il a récupéré le titre de joueur de la semaine. On a... Oui, alors déjà, c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué. Tu as bien fait de l'évoquer. Julius Randle, meilleur joueur de la semaine, à l'Est. C'est juste énorme, quoi. Avec des résultats à l'image de la saison, en plus. C'est-à-dire que on n'a même pas senti un vrai pic. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est la succession de victoires. Bah c'est ça, et puis des belles performances individuelles, des matchs à 40 points, des matchs à 30 points, des triples-doubles. Bon, bah le gars, il est constant, en fait. Depuis qu'il s'est recoiffé, il est constant, quoi. Et l'équipe gagne, l'équipe est inarrêtable. Maintenant, il y a le fiston qui a pris la même coiffure, il y a Francky qui prend la même coiffure. Bon, tout le monde va trembler maintenant en voyant les Knicks, hein, je suis sûr. Et donc forcément, on y pense, MIP, MVP, est-ce que Randle rentre dans ces discussions-là, les gars ? Ah bah, il va falloir commencer à le prendre au sérieux, hein. Bon, MVP, il y a les chants quand il est au Garden, quand il shoot les lancers. Bon, c'est le MVP d'Enix cette saison, c'est certain, d'Enix. De New York, allez, voilà. De New York aussi, c'est le King of New York, numéro 30, dédicace à Bernard King. Ouais. C'est le meilleur joueur à New York, allez, n'ayons pas peur. À l'Est, pour moi, c'est le deuxième joueur qui fait la meilleure saison individuelle. Qui est devant lui ? Tu penses à Embiid ou à Giannis ? Ouais, alors Embiid, c'est les blessures, mais Embiid, il est monstrueux. Embiid, il est monstrueux. Ah, d'accord. Les Bilo des Sixers, c'est incroyable. Pour moi, c'est juste Embiid devant, parce qu'après, aucune équipe, aucun joueur à l'Est, même Giannis. Je ne parle pas sur les qualités intrinsèques, hein, je te parle de la saison. Oui. Giannis est vraiment sur courant alternatif. Je pense que lui, essaie de se calmer un petit peu et se mesurer pour les playoffs. Se gérer, quoi. Voilà, pour ne pas faire comme les autres saisons. Voilà, moi à l'Est, personne ne m'impressionne ou quoi que ce soit. Enfin, au niveau de la saison, je pense que dans la constance, dans la régularité, dans les triple doubles qui sort et puis dans le bilan collectif, pour moi, il est derrière Embiid. Après, sur le total de la NBA, bon, c'est vrai qu'il y a d'autres gros clients. Mais à l'Est, pour moi, derrière Embiid, je mets Randle et c'est même pas du chauvinisme. Hein. Je mets Randle tous les jours sur la saison. Jaylen Brown réalise une belle saison aussi du côté des Celtics cette année. Il joue vraiment très bien. Il a fait aussi une belle progression, mais après, peut-être pas autant que celle de Randle. Quoi. Il est moins impactant et Boston est plus... Tu vois, la différence, c'est décevant. C'est Boston est décevant, les Knicks sont surprenants. Donc déjà, dans l'idée, Boston, tu les vois plus haut. Là, franchement, cette année, c'est très moyen et on peut peut-être même finir devant. Même s'il fait une bonne saison, je suis d'accord avec toi. Je pense que dans l'impact et dans ce que fait... Et puis Randle, il ne faut pas oublier un truc, il tient les Knicks quand même sur toutes les catégories. C'est impressionnant. Et il est impactant sur le collectif. Ouais, exactement. Sur le collectif, quand il est là ou pas, il y a une différence. Le leadership. J'ai même envie de rajouter autre chose. C'est qu'au vu des blessures récurrentes, des grosses têtes d'affiche de la NBA, moi, je pense que Randle, en termes de régularité, bien évidemment qu'il est dans la discussion. Il a loupé qu'un match. Hein. Parce que si tu veux... si tu veux comparer Embiid, le pauvre, il subit ce qu'il subit. Il a le genou qui coince encore. On a LeBron qui est out. On a Davis qui est out. Après, t'as déjà, ça te fait trois concurrents qui potentiellement n'ont pas impacté, on va dire, sur toute une saison en termes de régularité. Et ensuite, effectivement, t'es à la bagarre avec des Giannis. T'es à la bagarre peut-être. Je peux même pas parler des gonces des Nets. Les gars, pareil, ils sont là un match sur quatre. Les gonces des Nets. Il y a un certain numéro 30 quand même du côté de la baie. Qui envoie du bois, mais par contre, est-ce qu'il porte son équipe ? Alors oui, il le porte individuellement, mais est-ce a-t-il un impact sur le collectif des Warriors ? Bien moins que les autres saisons. Et d'ailleurs, si Curry cartonne autant, c'est parce que t'as pas clé et qu'il est obligé de tout faire et qu'autour de lui, c'est un peu plus faible. Mais il est formidable, hein, Stephen. C'est sûr que si tu le retires des Warriors, ça coule, quoi. Ça coule. Ouais, mais ils sont 9e, hein, ils sont pas non plus dans les 3 premiers. Moi, je te dis, bon, il y a Jokic pour moi avec Denver, est très très fort cette année. Bien sûr. Ouais, il est très bon Jokic parce que franchement, quand tu le regardes jouer en plus, c'est incroyable. Alors c'est le genre de joueur que n'aime pas Joanie, mais moi j'adore vraiment le gars, j'ai l'impression que voilà, c'est le livreur de pizza et le mec, enfin très grand livreur, mais le mec, il a mangé la pizza avant de te la livrer même. du rebond, du shoot, enfin franchement, c'est un régal. Jokic, je trouve qu'il... Et puis le mec discret et tout, ça serait une juste récompense. Moi, je trouve qu'à l'Ouest, ouais, Jokic m'impressionne quand même fortement. Après, tu peux aller chercher éventuellement un mec à Utah ou un mec chez les Suns. Utah, même s'ils font une très bonne saison collective, ils sont numéro 1 de la ligue, donc c'est quand même. Mais individuellement, finalement, tu diras qui sont les leaders ? Gobert, Donovan Mitchell.
mais ils n'ont pas eu cette blessure encore, impact, Michel. On va dire. Il n'y a pas cette impression de domination, quoi. C'est ça. Puis il n'y a pas Laura, tu vois. Ils sont dans leur standard habituel. C'est juste qu'à mon avis, ça clique très bien à leur côté. En plus, l'Ouest, il y a quand même eu pas mal de blessés, d'hécatombes. L'Ouest, c'est très bizarre cette année. Même chez les Clippers, moi, Paul George ou Kawhi, pareil, ça a beaucoup manqué. Donc, moi, il y a un nom que j'ai entendu un peu dans les candidats qu'il faudrait considérer comme candidat pour le titre de MVP, c'est Chris Paul. Chris Paul aux Suns, parce que finalement, les Suns, ils font une très belle saison. C'est aussi en grande partie grâce à l'apport de Chris Paul. Même si Devin Booker cartonne, fait ses stats, mais il est à peu près dans le même registre de stats que ce qu'il faisait les saisons passées. C'est juste que l'équipe ne gagnait pas. Là, avec Chris Paul, ils ont changé de dimension et ils surfent aussi sur la bonne dynamique qu'ils avaient eue sur la bulle d'Orlando l'été dernier. Mais il fait une très belle saison, quoi. Le truc, c'est là où je te rejoins, où effectivement Chris Paul peut être considéré comme un candidat, c'est vis-à-vis de son intelligence et de sa faculté à s'adapter dans toutes les équipes où il passe. Ouais. Il le prouve encore du côté des Suns. Mais après, par contre, l'intelligence de jeu et l'adaptation ne se lie pas nécessairement dans les stats individuelles, en fait. C'est ça. Et pour être MVP, ça compte aussi, quoi. Voilà. Ouais, le bilan de l'équipe ou les stats. C'est pour ça que Randle, au final, si tu regardes bien, alors, si on finit dans les quatre premiers, il aura vraiment une chance. Si on est 6-7e, c'est le plus compliqué. Mais si tu regardes bien, catégorie statistique, il est rempli. Et le step-up de l'équipe, elle est clairement là. Après, New York, on n'a pas, pour l'instant, été assez haut en statistiques en termes de win. Oui, c'est ça. Et si tu finissais 2 ou 3 à l'Est, clairement, il peut pousser fort, pas fort. Avec la presse new-yorkaise, avec le lobbying et tout, tu peux en entendre parler. Le problème, là, c'est que 4e, c'est très bien, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, si tu finis 6, c'est pas 7, assez. Oui, oui, oui. C'est pas assez marquant pour ça. Mais après, cette saison... Il va se retrouver dans la discussion parce que c'est une belle saison d'Enix. Ouais. Après, quand on revient sur les candidats qu'on a évoqués, les noms qu'on a évoqués, c'est des joueurs qui sont déjà installés dans la ligue depuis plusieurs années. Là, Julius, on a l'impression que ça y est, c'est sa première année où il est bon. On le considère, mais c'est peut-être un peu tôt pour envisager du MVP, quoi. Il va falloir plus dans la constance, dans la régularité sur les saisons et même mettre les Knicks plus haut dans ce ranking à l'Est. Je pense que cette année, le MVP, ça me choquerait que ça soit quelqu'un d'autre que Nikola Jokic. Je pense que là, sa saison est vraiment monstrueuse. Pour son équipe, c'est vraiment la pierre angulaire. Statistiquement parlant, c'est monstrueux. Hein. Il a 56% au tir, il a 26 points de moyenne, il est quasiment en triple-double. En triple-double, il a 8, il a quasiment 9 assists par match. Ouais, enfin, même pour un pivot. Pour un pivot, enfin, ce qui fait même dans les matchs avec Denver, c'est phénoménal. Hein. On disait, c'est vrai qu'il a une tête de gars un peu livreur de pizza, mais cette année il a maigri, il est beaucoup plus vif. Je vois pas qui peut le. Il y a Embiid à un moment, Embiid pouvait le chercher. Embiid, mais c'est surtout mais que cette, là, cette saison là, est particulière post-Covid, tu vois bien que c'est une saison qui est très faible statistiquement parlant individuel, où t'as eu beaucoup de joueurs absents, beaucoup de joueurs en protocole, T'as d'autres saisons, t'as du Harden, Westbrook qui se tirait la bourre, du Curry, LeBron. Enfin, tu vois, t'as 2-3 joueurs qui sortent vraiment du lot. Cette année, c'est quand même assez. C'est vraiment plus collectif qu'individuel. Il y a vraiment peu de joueurs qui sortent du lot. Sauf lui, parce que lui, il a 26 points de moyenne, 10 rebonds. Il est presque en triple-double, quand même. Il a 56% de tir, 40% à 3 points. Mais pour revenir sur Randle, je pense qu'il va avoir des votes de MVP parce que la hype fait. Et aussi parce que voilà, il réalise une saison exceptionnelle. Tu disais, faut lui laisser le temps. Alors, ouais, c'est drôle parce que pour moi, là, la saison que fait Randle, je vois pas comment il peut faire une saison meilleure que la saison qui. Je m'explique. Pour moi, elle est dans son prime, je suis d'accord. Voilà, je m'explique pourquoi là, on voit le meilleur Randle qu'on peut avoir. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit précédemment, les Knicks ont un vrai problème offensif. On a besoin d'un joueur qui prend beaucoup de tirs et qui prend ses responsabilités. Donc, Julius Randle le fait parce que il prend beaucoup de shoot à une distance. Et justement, l'écho des parquets avait sorti un podcast dernièrement qui parlait aussi un peu de ça. Mais c'est vrai que
Julius Randle, à la base, tu regardes au début, c'est au début aux Lakers, c'est même un peu aux Pels. Mmh. C'est pas un shooter à mi-distance, quoi. C'est vraiment pas. Non, mais il a travaillé cette année. Mais cette année, là, à mi-distance, il a des pourcentages exceptionnels. Il est vraiment très très bon. Il est vraiment très fort. Je veux dire, ça va être difficile de faire encore mieux. Je vois pas comment il peut faire mieux. Il s'est créé un shoot à mi-distance de, j'ai envie de dire, quasiment nulle part, et il est très bon là. Je vois pas comment il peut être meilleur là que ce qu'il l'est actuellement. Et surtout, on est dans une saison où on a besoin d'un mec qui prend beaucoup de responsabilités. Mais qu'est-ce que ce sera dans la suite? On espère cet été peut-être rajouter une pièce, peut-être pas forcément un All-Star, mais peut-être un autre joueur qui peut apporter beaucoup en attaque. À ce moment-là, je pense que les statistiques de Randle baisseront inévitablement. Ouais, vont plafonner, peut-être que ça baissera pas. Ça fait 2-3 saisons comme il fait à peu près cette année. On ne demande pas qu'il soit à 30 points. Hein. Là, même s'il est dans son prime et que son prime dure 3 ans, nous, ça nous va. Hein. Oui, mais c'est ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que pour être MVP, ça va être. Je le vois pas devenir un jour MVP. Enfin, faut pas qu'on monte non plus aux gens. Il fait une très belle saison, il peut devenir multiple All-Star. Je le vois pas non plus, mais si tu rajoutes 10 victoires et que t'es premier de l'Est. Voilà. Et avec les mêmes stats, hein, je te demande pas, même avec les mêmes stats, t'as 10 victoires de plus, parce que t'as rajouté justement un joueur complémentaire avec lui. Bon, ça, je pense que ça sera à l'issue d'un autre podcast un jour, mais bon, voilà. On a des idées, je pense, mais tu rajoutes des joueurs avec lui, tu fais passer un step-up. Il reste ta tête de gondole, il reste ton joueur phare, ton franchise. Il est dans les mêmes. Discord à moins. Oui, mais Discord. Non, pas forcément, parce que là, t'as des joueurs aussi qui complètent et on n'est pas non plus. On marque pas beaucoup de points par match, on n'est pas des 120, 125. Hein. Si t'as un joueur qui vient, qui apporte 10, 15, tu retires certains joueurs, Bullock, il n'est pas censé marquer ce qu'il marque autant en ce moment. Il marque parce qu'il a des tickets shoot. Si t'as un joueur référent. Et Payton, t'enlèves Payton. Joey sait pourquoi je dis ça, mais je ne pas garder. Je dis pas plus, t'enlèves Payton, tu prends un joueur référencé qui vient avec lui, prends les points de Payton. Hein. Et peut-être qu'il en met 4-5 de plus, c'est 4-5 de moins du reste de l'équipe. Randle sera toujours au-dessus de 20 points. Tu sais, s'il est à 22, 23, 9, 7, 9, 6, et que ton équipe elle est à 10 victoires de plus, t'es dans la discussion. T'es dans une grosse discussion. Et je pense pas que Randle va passer. Alors, après, on peut se tromper. Mais sauf blessure, sauf cataclysme, je pense pas que Randle va passer à 15 points l'année prochaine, tu vois. Non, 5-3, bien sûr. 5-3, tu vois, ça m'étonnerait pas. Je pense qu'il tournera toujours aux alentours des. Non, mais son 20-10, je pense que son 20-10, il l'a dans la poche pendant un petit moment. Après, où cette saison, il fait aussi une grosse différence au-delà du shoot à 3 points, c'est à la passe. Il est passé de 3 passes par match à 6 passes par match. C'est le meilleur passeur, c'est le point fort, quoi. Ouais, mais il va jouer avec Payton, il a oublié de faire des passes. Il fait pas une différence. Il, contrairement à la saison passée, il utilise seulement les décalages qu'il fait pour passer à ses coéquipiers. Oui. Mais il fait confiance à ses coéquipiers là où il ne le faisait pas l'année dernière. Il a eu le déclic. Peut-être que si ses coéquipiers sont un peu plus en réussite cette saison que l'année dernière, donc forcément quand tu passes le ballon que le mec il marque, ça fait une assist. mais voilà, il compense un poste de meneur qui n'est pas référent. Et puis il est serein aussi, ce qui n'était pas l'année dernière, donc ça lui permet de libérer la balle plus tôt, parce qu'au début de match, des fois il est à 4, 6 points, il fait le reste. Ouais, il monte en régime doucement des fois. Ouais, des fois il a plus de passes en début de match, et après il se chauffe. Hein, mais tout ça pour dire que effectivement, de là est MVP cette saison déjà, qu'il soit dans la discussion, ça serait déjà très bien, une mention honorable. Après, à l'avenir, est-ce que c'est un joueur qui peut devenir MVP de la Ligue? On a un peu du mal à le concevoir tout de même. Quoi. On se contentera d'un MIP et d'une All-NBA team. Et MIP, ça serait pas mal. Bah justement on parlait des stats qui step up à 3 points au niveau de la passe et surtout au niveau de la régularité. Est-ce que, à défaut d'avoir un profil d'MVP dès cette saison, a-t-il un profil d'MIP, les gars? Mais la réponse, c'est oui. Voilà, question suivante. Non. Non, mais bah oui, en fait, autant MVP, on sent que il manque un petit peu dans les stats. Il manque peut-être quelques wins. Mais MIP, qu'est-ce qu'on demande à un joueur MIP, c'est qu'il ait progressé. Alors, ok, on va me dire, la saison dernière, il était à 18-19 points. Là, il en a 23, 24. C'est pas énorme comme gap. Ouais, d'accord. Bah, il était trop fort déjà avant. Mais dans l'attitude, dans les pourcentages, dans la régularité, et au final, il fait gagner son équipe. Dans les candidats ou dans les,
les personnes qui sont mentionnées pour plutôt être MIP cette saison, on nous parle de Jeremy Grant, des Detroit Pistons. Il fait une belle saison, mais... Il fait une belle saison statistique, mais bon, l'équipe, elle est où, quoi ? Elle est au fond du trou, quoi. Donc, est-ce que le MIP, c'est nécessairement... C'est que un trophée individuel, un peu comme les rookies, où on regarde pas finalement le résultat de l'équipe ? Je sais pas. Moi, j'ai plus envie de récompenser Julius par rapport à ça. Je trouve qu'il le mérite plus parce que effectivement, c'est le jour et la nuit entre le Julius de l'an dernier et le Julius de cette année dans la façon de jouer. Peut-être pas dans le rendement, parce que le rendement était relativement bon. Hein. Il était à 18-10 ou pas loin. Il a un peu augmenté ses chiffres, mais c'est pas au détriment de son équipe. Au contraire, quoi. Et il est devenu All-Star. Il est devenu All-Star. Alors, le All-Star, c'est parfois... un vote de popularité au niveau des fans, mais lui, il n'a pas été titulaire All-Star, il a été élu par les coachs, donc qui ont reconnu une bien meilleure saison et une progression qui l'ont fait changer de statut, quoi. Donc ouais, pour moi, c'est un candidat plus que légitime. Donner le trophée à Jeremy Grant, les Pistons, ça pique quand même, hein, ça pique. Hein. Ça serait quand même un mauvais signal envoyé, je trouve, de la part de la Ligue et des coachs et de ceux qui vont voter, en fait, parce qu'il y a des coachs, il y a la presse, il y a un panel, quoi, de votants, de récompenser un joueur pour une équipe qui est en mode tanking, pas vraiment dissimulé depuis le début de la saison, quoi, et qui a retrouvé les clés de la maison, parce que à Détroit, il n'y a pas grand monde, malheureusement, quoi. Le projet est long à Détroit. À New York, on n'est pas sur la même dynamique, et on est sur un joueur rayonnant qui a pris un rôle de leader, quoi. Donc, c'est en ça où, pour moi, la progression, elle est la plus forte, quoi. Plus que sur la partie statistique. Juju, qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, oui, alors, MIP, oui, clairement, mais je serais même déçu qu'il soit MIP, tu vois, parce que je sais pas comment dire. Non, mais en fait, la saison qu'il réalise, je me dis MIP, c'est bien, mais c'est pas assez. Il n'y a pas d'autre catégorie pour le récompenser. Mais tu vois, pour moi, MIP, c'est plus un joueur, tu t'attendais pas, comme Rundle. Mais là, il fait vraiment une saison incroyable quand même. Et je me dis, s'il n'est pas MIP, d'accord, mais qu'il est placé deuxième ou troisième au ventant MVP, c'est peut-être plus... Tu vois ce que je veux dire ? C'est peut-être plus gratifiant. Je préfère qu'il termine troisième ou deuxième, ou dans la discussion MVP qu'on entende, et qu'il n'ait pas le MIP, plutôt qu'il ait le MIP, qu'au final, sa saison, on dise, il a un peu progressé et tout. Je suis d'accord qu'il a toutes les caractéristiques pour être MIP. Il y a de chances qu'il soit, hein. Mais moi, franchement, après sa saison, je pense que je préférais qu'il soit dans la course, dans la discussion au titre de MVP que de MIP. Voilà, c'est tout. Parce que le MIP, au final, c'est un truc dont tout le monde se fout. Et tu peux me citer les 10 derniers MIP, sérieusement ? Giannis. Ouais, une fois. Ouais, d'accord. Je sais qu'il y a eu Boris Diaw un jour, Il y a eu T-Mac, je crois. Ouais, voilà. C'est McGrady. Siakam, là, c'est pas Siakam qui l'a eu l'année dernière ? Non, l'année dernière, c'était Brandon Ingram. Avant, c'était Siakam. Ah, ouais. Non, c'est sûr que c'est pas un trophée qui est aussi gratifiant. Par contre, des fois, tu sais que Tony Parker a été dans une course au MVP quand il était en 2006, je crois, un truc comme ça. Tu sais qu'il y a certains choix. Ce que je veux dire, c'est que c'est plus impactant d'être dans la course au titre MVP. Ouais, tu boxes pas dans la même catégorie, on est d'accord. Exactement, et on se rappellera plus de toi. Pour Rundle et le MIP, enfin... Je pense qu'il mérite cette saison le titre de MIP, plein de facteurs dont beaucoup de gens ont parlé, et je sais que ses détracteurs disent qu'il ne mérite pas d'être MIP, mettre en perspective la dernière saison qu'il a eue aux Pelicans, donc pas la où il était il à 21 ans, points de moyenne, il y a deux ans. Genre il aurait régressé l'année dernière, quoi. Oui, regardez, que par rapport à la saison, la dernière saison Knicks, il a progressé, mais par rapport aux Pelicans, il a pas autant progressé. Et ça, je trouve que c'est l'argument, genre le faux argument, vraiment, le plus criant, parce que entre le Julius Randle des Knicks de cette saison et le Julius Randle des Pelicans, on n'est pas le même. On n'est pas du tout. Et puis il y avait un gars à côté de lui aussi au Pelicans, forcément. Anthony Davis, quoi. Donc là, aujourd'hui, c'est la tête de gondole, hein, la tête d'affiche. Si tu ne peux pas comparer, tu ne peux pas le comparer. Physiquement, on n'en a pas souvent parlé, mais il a énormément fondu. Il a énormément taffé son physique. Il est devenu fit. Avant, c'était un petit rondouillard quand même quand il était. C'était un beau bébé, mais un peu plus. Là, il est quand même. C'est une drôle de façon de caractériser les gens. Hein, entre Jokic, qui est un livreur de pizza, et. Regarde-le avant, regarde-le maintenant. Il est fit. Bien sûr. Ce que je voulais juste dire, c'est que
Il n'avait pas le même statut puisqu'il était à côté de Anthony Davis et de Jrue Holiday. Du coup, la pression offensive n'était pas du tout la même. Et c'est ce qu'il le dit dans son texte, dans sa lettre ouverte sur The Athletics. C'est que là, il est devenu première option offensive au Knicks, alors qu'au Pelicans, il était troisième option offensive. Et surtout, c'était pas du tout le même type de joueur. Il n'avait pas du tout un rôle de créateur. Les seuls assists qu'il faisait, c'était sur des cas où un de ses coéquipiers coupait. Et du coup, là, il pouvait créer pour ses coéquipiers. Mais là, cette saison, c'est le créateur principal d'une équipe qui est quatrième à l'Est. Et, ça change tout. Et il a pas le même statut, il a pas les mêmes qualités, et c'est pas du tout le même joueur. Donc en fait, les gens qui mettent en perspective sa saison aux Pelicans, ils n'ont pas regardé Julius Randle aux Pelicans, et ils n'ont pas regardé l'évolution entre la première saison aux Knicks et la seconde saison aux Knicks. C'est qu'il ne faut pas non plus se référer que sur le chiffre ouais. pour caractériser le MIP. Et puis même, statistiquement, il y a quand même entre 2018 et 2021, il y a quand même une évolution statistique assez exceptionnelle. Mais oui, non. Enfin, voilà. Est-ce que c'est juste le MIP ? Est-ce que c'est juste une question de stats ? Est-ce que c'est juste une question différentielle ? Ou est-ce qu'il y a l'attitude, le rayonnement sur l'équipe, les pourcentages aussi hein. Les pourcentages, ça fait partie de la progression. Hein. Donc, bon, on le verra. On le verra bientôt. Savoir s'il est le lauréat. Après, je pense qu'il est clairement dans la discussion. Il était question à un moment de Christian Wood, mais pareil, hein, Houston, c'est compliqué. Et surtout qu'il a pas pu, enfin, il a eu une saison, coupée par des blessures ou des absences. Là où, voilà, Randle aussi a montré une régularité dans l'effort et dans l'exercice cette année. Donc, je pense qu'il sera dans la discussion. Hein. Il sera dans la discussion si c'est pas lui qui prend le trophée. Ah, il sera sur le podium, c'est certain. Je rebondis sur un truc et je vous pose aussi la question. Alors c'est une question qui a émis le feu lors de l'un de nos lives Instagram, tout à fait de manière intentionnelle, bien évidemment. Pyromane. Où en fait, en parlant de Julius Randle, et là j'aimerais avoir vos avis succinctement. Julius Randle est-il le joueur le plus dominant qui ait connu les Knicks depuis Patrick Ewing sur une saison, bien évidemment. Donc je ne sais pas qui veut se lancer à corps perdu là-dessus. Ah, c'est compliqué, parce que là en plus, Guillaume, amateur de Melo, évidemment, ils doivent devenir fous. Bah, oui, non, mais Melo n'était pas aussi fort dans pas mal de catégories. Enfin, Melo, offensivement parlant, c'était un attaquant extraordinaire, il n'y a pas de problème, c'est un des meilleurs attaquants de la Ligue, même de l'histoire de la Ligue, franchement, offensivement, c'était un tueur. Mais Melo, défensif, on ne l'a jamais vu. Melo, à la passe, ce n'est pas sa première qualité. Melo, au rebond... C'est pas non plus ce qu'il aime le plus faire. Aller au charbon, c'était pas son truc. Donc voilà, Melo, offensivement, oui, c'était un joueur extraordinaire, une pépite. Mais ta question est pas mal parce que oui, Ewing, après, Guillaume n'a pas connu, mais Ewing, quand nous, on se rappelle les années 90, quand tu prenais Mondial Basket, 5 majeurs à l'époque, et tu allais regarder les catégories, tu voyais rebond, point, passe, tu voyais Ewing partout. Tu avais quasiment la même chose, des fois, avec Jordan aux Bulls. Tu vois ce que je veux dire? Et depuis Ewing, tu n'as pas un joueur chez les Knicks qui a été peut-être tu démarres à un moment donné. Ouais, je nuancerai. Enfin, nuancerai. Effectivement, tu as posé la question et elle n'est pas évidente. Parce que on est en plus dans le moment, quoi, dans la culture de l'instant. Donc là, en ce moment, comme il est rayonnant, que l'équipe gagne, on a envie de lui donner tous les trophées, quoi. Mais sur une saison, sur une saison depuis. Ouais, sur une saison. Après, sur une saison. On parle pas sur une décennie, on parle sur une saison. Et voilà. Sur une saison, moi, j'ai pas un joueur qui a trusté autant de catégories que Randle. Ouais. J'ai pas de mémoire d'un joueur. Hein. C'est vrai que Melo avait été meilleur marqueur, plus la saison en tête, là. Donc, 2012, effectivement, ouais. C'était sa meilleure saison, statistiquement parlant. Mais il était quand même plus entouré. Hein, la question, c'est un gars qui est aussi dominant sur tout le jeu de l'équipe. Donc du coup, Melo avait cette Melo, c'était cette... dans une catégorie. Là, la question de Laurent, c'est toutes les catégories. Oui, j'ai bien compris, Julien. J'ai bien compris. Je vais essayer de répondre. j'essaye juste d'argumenter ma réflexion. Ça ne reste que ma réflexion. Mais autant, Melo avait le côté l'attaque, c'est pour toi. Vas-y, fais-toi plaisir, on va te donner les ballons, tu auras carte blanche en attaque. Et il a su très bien le faire, et avec une classe que n'a pas Julius non plus, quoi. Mais moi, ce qui m'a... C'était pas sur une saison, c'était malheureusement plus court, mais j'ai l'impression que c'était la période, le début, l'arrivée de Stoud.
d'Amar Stoudemeyer, où il arrivait dans un contexte un peu pareil, à savoir ouais. C'est lui le gros joueur et il y a pas mal de petits bons joueurs autour de lui et il a aidé à faire step up l'équipe et puis après rapidement en cours de saison Melo est arrivé, il y a eu des blessures et puis ouais. la fin a été plus compliquée. Mais moi ça me fait penser un peu à cette période là. Alors là la période est plus longue pour Julius, ouais. Très clairement il chope une étoile de All-Star là où Stoud était déjà multiple All-Star, donc on n'est pas non plus sur le même prime du joueur. Mais Stoud était plutôt sur un déclin qu'elle est arrivée, alors que Julius, on l'espère pas, clairement pas. Donc moi, ça me fait plus penser à cette courte période du Stoud qui a été rayonnant, qui a remis New York sur la carte. Le Nick Sarbac, c'est de lui. Là, Julius, plus discret dans sa com, parce que voilà, il a une saison d'adaptation. Mais moi, il me fait penser un peu à cette période-là, à cette période courte, et puis un peu plus rayonnant, parce que voilà, Melo, on l'a dit, c'était du point et un peu moins présent ailleurs. C'était pas non plus le leadership. Stoud, c'était plus ça, même si ça a été beaucoup plus court. Donc, sans remonter jusqu'à Ewing, qui a eu une construction Onyx qui a été complètement différente. Et puis même, pareil, j'ai du mal à situer la saison prime de Ewing, c'est laquelle, tu vois. Il y a eu plusieurs belles saisons au début des années 90. Ouais, 96, 95. Et le problème, c'est qu'il a aussi eu des moments où il est passé à travers sur certains matchs, et c'est dommage, voilà, le rôle loupé contre Indiana et tout. Après, bon, oui, il y a quelques rendez-vous manqués. Et dans la saison, Ewing, tu savais qu'après les playoffs, c'est autre chose, mais Ewing, en saison, il tenait quand même la baraque sur une saison, tu vois. Oui. Et en 94, quand les Knicks vont en playoff et tout, il est dans la discussion pour le MVP aussi, hein, avec Robinson, Olajuwon et compagnie. Donc, t'étais à 50 victoires tranquille, t'étais qualifié en playoff, t'avais pas trop de soucis. Voilà. Final, l'équipe était plus installée. Là, on a un effet. Bon, au final, la question de Laurent, elle est bien parce que regarde, depuis Ewing, oui. C'est 99. Tu me sors qui ? Stoudemeyer sur 2010 et Melo juste derrière, vite fait. On a mangé notre pain noir au début des années 2000. Ça, c'est simple. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas grand-chose. Et que moi, quand je compare Stoudemeyer, je suis d'accord avec toi, mais Stoudemeyer, tu vois, c'était quand même moins varié que Randle, parce que Randle, quand même, te met du 3 points. Que Stoudemeyer. Ouais, ouais. Randle a l'air d'être plus complexe que Stoudemeyer, même si dans l'impact, on va dire, médiatique, c'est à peu près la même chose de remettre les Knicks sur la carte et tout, parce que Stoudemeyer avait fait énormément de bien quand il était arrivé et tout. Ça avait ramené une grosse hype à l'époque. Moi, je m'en souviens, c'est vrai, une grosse hype en 2010. Mais au final, au niveau du joueur complet, Randle, cette saison, est quand même incroyable statistiquement parce qu'il trosse toutes les catégories et il a rajouté une arme offensive à 3 points que Ewing et Stoudemeyer. Attention, je ne dis pas qu'il est meilleur qu'Ewing. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est pas les mêmes billets. Mais voilà, ni Ewing ni Stoudemeyer n'avaient cette arme à 3 points que Randle a été obligé d'apporter avec la NBA moderne. Mais voilà, c'est vrai que c'est impressionnant. Franchement, au final, c'est impressionnant ce qu'il fait. On ne peut pas dire le contraire. Alors, ce qu'on espère juste, c'est que ça va durer. Ça va durer, que ça ne soit pas... Bon, certains nous disent, ouais, c'est la contracture. Non, pas forcément. Voilà, le mec a bossé, le mec a fait son travail d'autocritique. Il était le premier à ne pas être satisfait de la saison dernière. Il s'est remis au charbon. Et voilà, on voit que c'est pas. Il court pas après le contrat, même s'il aura le contrat. Faudra pas se voiler la face, mais. Voilà, il sait bien que c'est les victoires de l'équipe qui vont amener le reste. Mais ça a été le cas pour le titre de All-Star. On verra s'il y a d'autres titres individuels. Mais voilà, il a ce rôle de leader aujourd'hui, quoi. Il y a des gens qui ont du mal à se dire, tiens, est-ce que c'est un franchise player ? Ben, aujourd'hui, oui, il coche les cases pour moi. Il coche les cases, quoi. Donc, mais après, voilà, pour revenir à la question, depuis quand on a vu un joueur dominant Onyx sur une saison ? Bernard King avait été très bon aussi hein, sur les années 80. C'était avant Ewing. Mais donc, depuis Ewing, non, bah oui. Willis Reed était pas mal dans le genre. Ouais, mais encore, et encore, tu vois, c'était une équipe qui jouait. Hein, c'était... L'ADN d'Enix, c'est avant des stars, c'est plus des équipes, quoi. Et même à l'époque des années 90 avec Ewing, il n'y avait pas que Ewing, quoi. Il y avait du Charles Oakley, il y avait du Mark Jackson, il y avait du John Stark, il y avait d'autres joueurs autour. Du Carter, du Mark Jackson, ouais. Ouais, non, mais c'est ça qui a souvent été. Dans le sens toujours caractériser les Knicks, c'est plus le jeu en équipe et quand ils ont été champions. Et un coach important à savoir. On avait toujours un coach important. Et là, est-ce qu'on n'aurait pas un bon coach là ? Non, mais là, on a un coach qui. Ah, ouais, non, mais justement, en parlant de coach, bon, j'ai pas eu l'avis de Guillaume là sur le Knicks le plus dominant depuis Patrick Ewing. Juste rapidement, Guillaume,
Tu disais que je devais bouillonner en entendant cette question, oui. Et bah, pas du tout en fait, parce que comme j'ai dit, moi j'ai découvert Linux avec Mello, comme j'ai dit c'était passionnel, j'ai connu le pire et le meilleur de Mello, mais j'ai connu le pire, donc j'ai connu les coms catastrophiques où ça parlait déjà de la free agency alors que l'équipe allait mal, connu le mec qui bougeait pas en défense, qui suivait pas du tout les rotations, les coéquipiers qui essayaient de lui le faire bouger dans ce secteur-là et qui ne se remettait pas en question. Donc, mais dominant dans toutes les catégories, ça, il n'y a pas de débat. C'est Juice Rundle a été dominant dans bien plus de catégories que Melo. Pour moi, Rundle apporte plus au collectif que Melo ne l'a fait, dans le sens où Rundle est aussi un exemple pour les jeunes. Il se donne en défense, il se donne dans tous les secteurs du jeu, malgré le fait qu'on se souvient, cette année, Rundle est bon en défense, mais il a été très mauvais à un moment. Enfin, la saison passée, il était vraiment pas bon, et ça n'a jamais été un joueur vraiment connu pour sa défense, et il se donne là-dessus, ce que Melo n'a pas vraiment fait tout au long de sa période Knicks. Après, voilà, si on parle dans toutes les catégories de jeu, je mets Rundle gagnant haut la main. Ouais. Si je parle dans la catégorie offensive, là, pour moi, il n'y a pas de débat. Melo a tout explosé. C'était quand même un joueur offensif fulgurant. C'était exceptionnel, beau. Quoi. C'était enfin, beau. C'était beau. Tu vois, en fait, je ressens pas la même poésie quand je vois Juice Rundle scorer que celle que j'avais quand Melo scorait, quoi. C'est pas la même grâce. Voilà. Après, Melo est plus criblant pour les fans des Knicks que Rundle pour l'instant, parce que Rundle pour l'instant, il y a un affect qui est en train de se créer. Exactement. La saison ratée de l'année dernière, de son évolution et tout. Après, ça fait que sa deuxième saison. Melo étant ce qu'il est, son talent et ce qu'on en attendait, a été très mal vécu par une partie de la fanbase des Knicks. Oui, bah, en partie. Hein. Il y a une grosse partie qui le déteste, une autre partie qui l'adore. Hein, voilà. Moi, je ne prends pas position là-dessus. Mais c'est vrai que Melo a ce côté un peu feignasse que Rundle, c'est un peu le contraire. C'est justement le côté dirty qu'on aime bien chez les Knicks. C'est un peu, bah voilà, je vais au travail, je vais au charbon. Alors que Melo, c'est clairement la diva avec un talent incroyable, peut-être un des plus beaux talents qu'on ait jamais eu, mais qui malheureusement n'a pas voulu le mettre au service du collectif. Quoi. Donc, c'est pour ça que quand tu parles de Melo, souvent les gens ont du mal, hein, tu vois. Souvent les fans, les jeunes comme moi qui ont connu les Knicks avec Melo ont du mal à rester lucides sur la carrière de Melo Knicks. Non mais c'est une réalité, hein, et je sais qu'on avait eu ce débat, genre c'est une petite anecdote, quand on écrivait pour les Knicks, pour le Knicks FR, on avait l'équipe de rédaction et il y avait plusieurs, on était tous à peu près le même âge, donc on était relativement jeunes. Et je me souviens que quand on faisait le top 10, enfin alors moi Melo, je crois que je l'avais mis dans mon top 10-15, je crois qu'on avait fait un top 15, je l'avais mis 8e ou 9e de mon top 10, et je mettais des mecs, genre pour moi John Starks est un plus grand Knicks que Melo, tu vois, et je me souviens que j'avais eu des débats enflammés avec des ouais, mecs qui mettaient Melo en 3e, tu vois, parfois. Ouais, ouais. Et genre, après, c'est difficile des fois d'avoir la prise de recul entre la fête. Voilà, et... donc en fait, pour le coup, c'est désolé, je ne vais pas créer le buzz parce que j'ai toujours été assez lucide sur la situation de Melo Onyx, ce qui n'a pas forcément été le cas de tous les jeunes fans d'Enix comme moi. Et ce que je peux comprendre parce que, voilà, il nous a quand même mis des paillettes quand même, quoi. Enfin, c'était assez beau. Mais voilà, il manquait des choses. Il manquait des ingrédients pour un peu plus rentrer dans la légende. Je pense que les sentiments parlent beaucoup trop chez les fans de Melo quand on évoque sa carrière Onyx. Et Joanny, donc t'évoquais un peu le coaching, Thibodeau. Ah, le coaching. Bah voilà, on parlait de Melo. Melo, est-ce qu'il a eu un grand coup? On sait pas, est-ce que là cette année on a un grand coach? Je pense qu'on peut commencer à se poser les questions, hein. Thibodeau, c'était pas le favori de tous, on le sait bien, il a eu son parcours, mais du coup là, est-ce que cette saison il fait partie des bons coachs, des meilleurs coachs de la saison? Et des bons coachs, évidemment, surtout quand on l'a longtemps évoqué, quand tu reprends une équipe qui n'a pas changé son 5 de base par rapport à l'année dernière, si ce n'est des ajustements au niveau du banc, et voir la mentalité de quelle manière les Knicks jouent cette année par rapport à l'année dernière, sans pourtant avoir fait des transferts faramineux, et ben c'est dire l'impact que le coach a sur cette équipe.
Et c'est dire l'impact qu'a le coach également sur le mental aussi de cette équipe-là. Et en ça, et le faire aussi, plus est à New York, où d'un point de vue médiatique, c'est toujours très compliqué. Pour moi, il fait clairement partie des meilleurs coachs de la saison. Maintenant, coach of the year, je ne sais pas, parce qu'il faudrait peut-être voir aussi la saison des Jazz, il faudrait peut-être voir la saison des Suns, il faudrait voir l'impact que Nate McMillan a eu du côté d'Atlanta. Ouais, bon, Nate McMillan, il a bien repris les affaires côté Hawks, donc tant mieux pour eux. Ça va être un peu short, je pense, quand même, pour se mêler dans la bataille du titre de coach of the year. Oui, il y a Snyder. Snyder est quand même pas mal. Hein. Ah, Snyder, s'il l'a pas cette année, quand même, le pauvre, hein, je sais pas ce qu'il lui fout. Ah, c'est sûr, je sais pas ce qu'il lui faut. Bah, un titre de champion de NBA, mais bon. Mais tu vois, pour Thibodeau, on est dans le même cas que pour Randle. 10 victoires de plus, ouais, ça change. Ah, bah oui, oui. Ouais. Ah, là, je pense que même s'il fait quelque chose d'incroyable, on a l'affect Knicks. Ça va être un peu short pour le décrocher. Sur l'ensemble de la NBA, il y a peut-être un ou deux coachs qui ont quand même une légitimité plus forte sur cette saison. Comment dire, Snyder, côté Jazz, moi je pense que c'est lui qui va l'emporter parce que voilà, ils n'auront pas de trophée ou peu. Peut-être le sixième homme, voilà. Mais et puis comme c'est vraiment un collectif aussi, le Jazz, ouais. Le coach plus qu'un joueur en vérité. Ouais, voilà, et puis c'est une constance aussi. Ça fait plusieurs saisons où ils font de belles saisons. Là, cette année, ils confirment à l'Ouest et ils confirment dans la Ligue. Donc voilà, je pense que c'est plus lui qui va l'emporter. Ça parlait de Monty Williams aussi côté Suns, parce que voilà, numéro 2 et ça marche bien. Mais c'est pareil, hein, on est aussi sur des effectifs qui finalement ils ont rajouté. Alors le Jazz, non, ils sont repartis sur la même structure ou quasiment pareil, mais les Suns, bon, l'arrivée de Chris Paul quoi, qui aide aussi à passer cette étape quoi, de franchir un palier au niveau des résultats collectifs. Par contre, c'est vrai que Thibodeau, il faut regarder ce qu'il a fait quoi, d'où il part avec l'effectif sur lequel il compose, hein. On n'a pas 50 All-Stars dans notre équipe, hein. on en a qu'un. Donc côté Jazz, il y en a au moins deux, côté Suns, il y en a au moins deux. Donc voilà, on n'a pas non plus de numéro 1 draft et tout. Donc non, il y a un énorme boulot qui a été fait. Je pense qu'il doit être dans la discussion. À mon sens, il termine 2 ou 3 hein, sur ses votes. Ça va dépendre aussi du classement final. Hein. Si les Knicks arrivent 4e à l'Est, on considère plus que si on termine 6e. Quoi. Ah oui, mais déjà, par rapport à où on était, par rapport à où on nous prédisait de terminer cette saison, par rapport aux joueurs qui progressent, parce qu'il y a des joueurs qui progressent. Alors big up aux bookmakers de Las Vegas. Hein. Ouais, merci pour les conseils, les mecs. Hein. Mais c'est voilà, personne, on va pas se mentir. Non, honnêtement, même quand on les a vus en début de saison, personne n'aurait dit qu'on serait quatrième. Enfin, moi, là, c'était difficile à voir. Après, Thibodeau fait un pur taf, mais encore une fois, il y a des joueurs. Ah, c'est un peu le même cas que Randle, en vérité. C'est que voilà. C'est très bien ce qu'ils font, ils font une saison superbe, mais il y a quand même mieux sur la Ligue. Et pour les récompenses individuelles, je pense que ce sera ceux qui ont fait mieux, qui auront Jokic pour le titre MVP ou Snyder. Et, On aura les places d'honneur, quoi. Mais déjà, c'est énorme. C'est déjà énorme, parce que nous, on parle de rien. Voilà. On parle de tanking à Fils d'aile, à Thibodeau, et peut-être un avantage en playoff, quoi. Donc déjà, rien que ça, sans avoir les récompenses, c'est déjà une récompense en soi d'avoir une saison aussi pleine, aboutie et qui donne de l'espoir pour la suite. Quoi. Ouais, non, très clairement. Et justement, la suite, tu parlais de place d'honneur. Pour moi, la meilleure place d'honneur, de manière générale, ce serait évidemment une place sécurisée en play-off, donc la sixième. Ce serait vraiment beau. Et là, si on fait un petit tour de table très rapide, messieurs, comment vous voyez la dernière ligne droite des Knicks ? Play-in, play-off ? Allez, tout le monde se mouille, là. Play-off. Play-off, donc combien strapontin, numéro combien ? Ouais, 4 ou 5. Ok. Ce qui est bien, en plus, ça ferait une affiche à peu près homogène. Ah, moi, je le vois à 5 ou 6, mais plus 6 peut-être, mais play-off, ouais. Je me dis que, bon, tout le monde nous parlait de ce fameux calendrier difficile après le break du All-Star Game. On a gagné les matchs parce que c'était le calendrier qui était facile sur la première partie de saison. On sort de 9 victoires d'affilée, alors que si t'écoutais encore les gens, on aurait dû en prendre un ou deux. Donc, je me dis, ouais, même si les 11 matchs qui arrivent vont être costauds, je me dis, si on fait aller entre 40 et 50% de victoires, on est quasiment... On sécurise peut-être la sixième place, ce qui serait un juste retour pour la saison, mais un mérite. Donc ouais, je me dis play-off 6. Ok, ça marche. Play-off 4e pour moi. Je pense que on craque pas.
On craque pas. Pourquoi ? Parce que là, on est forcément, on pourrait se dire, oui, là, le mec, il s'enflamme parce qu'on est à 9 victoires d'affilée. C'est pas du tout pour ça. La série va se terminer. Mais pour moi, on va pas craquer parce qu'on est sur une bonne dynamique individuelle. Chaque joueur est dans une bonne dynamique individuelle. D-Rose, il est très bon en ce moment. RJ Barrett, là, il est au summum de son tir à 3 points. Je le vois pas. Et vu que c'est un joueur de rythme, je le vois pas baisser dans l'intensité. Rundle, il avait eu un petit coup de mou. Là, il est nouveau dans le deuxième souffle de la deuxième partie de saison. Je pense que là, les Knicks vont se battre pour garder ce quatrième. Je ne vois pas aller chercher les Bucks, mais je nous vois maintenir cette quatrième place. Ouais, j'espère que tu as raison. Ça va être difficile. Je sais que ça va être difficile, mais je sens que t'y crois. J'y crois. Il faut y croire. Et pour le coup, j'étais plus en début de saison à me dire, de toute façon, quoi qu'il arrive, cette saison est déjà une réussite. Donc, donc voilà. Mais là, j'y crois. Je peux maintenir cette quatrième place. Bah moi, ce que j'ai évoqué, je rejoins un peu Julien là sur la question. Les Knicks, moi, je les vois à la sixième place. Je l'évoquais tout à l'heure en live sur Instagram à nos confrères là de NBA avec un H que je salue évidemment. Et oui, je les vois à la sixième place. Les Knicks, ça joue à 1-2 victoires et on sent que Boston et Miami vont nous poser énormément de problèmes. C'est en ça que je les vois pas se maintenir nécessairement à la quatrième place. On a pas mal de matchs à l'extérieur, ça peut. Ouais, moi voilà. Je suis mais par contre, là où je vous rejoins tous, c'est qu'effectivement, j'aimerais que ces Knicks se qualifient directement en playoff, qu'on s'évite justement cette dramaturgie des play-in. Ah ouais. Et ce serait une juste récompense pour l'ensemble du collectif qui vraiment. Plaisir à regarder cette année, quoi. C'est vraiment juste kiffant. Et ce serait tellement beau d'y aller sans dramaturgie. Après, quel que soit l'adversaire au premier tour, hein, ne serait-ce que d'y aller, ce serait un exploit en soi. Et après. Même si demain, je suis tout de suite pour jouer les Nets, franchement. Ouais, en demi-finale. Mais, le truc aussi que je rajouterais, c'est que si toutefois les Knicks se qualifient en play-off de manière directe, et affronte potentiellement un adversaire plus fort qu'eux. Je pense que le l'adversaire sera pas content. Ouais, voilà. Que dégage l'équipe est quelque chose de fort. On n'a pas cette sensation de jouer petit bras. Donc on peut se louper sur quelques matchs. Mais je sais que dans l'intensité, les Knicks sont au rendez-vous. Thibodeau garde vraiment ses trous concentrés et au taquet. On n'a plus ces longues périodes de trous d'air. On a rarement pris un blowout cette année. Hein. On a rarement pris un plus 20 ou un plus 30 comme les autres saisons. Où tu te dis, je sais même pas si on en a déjà pris un. Je crois qu'on s'est fait éclater contre les Sixers. Contre les Bucks. Oui, contre les Bucks aussi. C'est vrai. Contre les Sixers, et puis je crois qu'il y a eu 3 matchs. Bon, voilà. Mais sinon, des autres saisons, c'était 10-15 fois dans l'année où tu prenais des plus 20, plus 30. Ouais. Attention, en playoff, n'importe quelle équipe qui va nous prendre, je sais très bien que ça va être déchiré. Ça va être une partie de plaisir pour eux, ouais, clairement. C'est clairement l'équipe que tu n'as pas envie de prendre au premier tour. Parce que surtout si on est en deuxième partie de tableau, forcément, tu tombes sur un adversaire qui a l'avantage du terrain, qui est censé être au-dessus. Celui qui s'appelle Knicks, il se dit, bon, bah, ça va quand même être. Très 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 chiant. Donc, la vraie question, c'est combien de matchs on prend en playoff cette année? Ah, alors ça. J'attends de voir l'adversaire pour te le répondre franchement. Ouais. Mais moi j'ai envie de dire qu'on va en prendre. On va en prendre des matchs. Je pense qu'on sera pas sweepé. Maintenant, je suis pas sûr que. Je sais pas. Après, c'est une question de forme, de dynamique du moment, de match-up, de talent aussi. Hein. De talent aussi. Donc, en face, parce que si l'équipe a un blessé en face, si l'équipe est sur la. Ça va vraiment dépendre de ton tirage, quoi. Enfin, de ton tirage. Mais le réel avantage aussi porte sur la certitude qu'a cette équipe. C'est une équipe qui est vraiment en confiance, qui a zéro pression. Oui, on a vis-à-vis rien de l'adversaire, qui en aura beaucoup plus. Effectivement, on a resté. C'est déjà une victoire d'être en play-off. Déjà en play-off, t'as réussi ta saison. Mais plus que réussi, même. Plus que réussi, c'était exceptionnel cette saison. Hein. Enfin, honnêtement, là, ce que fait vous parlez de Thibodeau, mais ce qu'il a réalisé avec les Knicks, enfin, même moi, je l'avais dit honnêtement, mais même si on n'avait pas fait le play-in, j'aurais vraiment pas été déçu. Enfin, j'aurais été si un peu déçu, mais j'aurais pas été énervé parce que on a une identité, on a une direction. Enfin, je vois pas ce qu'on pouvait demander de plus. Là, Thibodeau nous donne tout le plateau de fruits, là, quoi. Enfin... Non, mais c'est sûr. Après, je sais pas si vous avez vu, si vous l'avez vu, certainement, D-Rose qui a parlé de Thibodeau, qui mieux que D-Rose pour parler de Thibodeau, d'ailleurs, et qui a déclaré que Thibodeau a quand même changé un peu son management. C'est-à-dire que l'échec qu'il a eu à Minnesota lui a quand même fait réfléchir un petit peu sur la façon d'aborder la nouvelle génération. On en avait déjà parlé sur les précédents podcasts. Il s'est confronté à des jeunes.
différent de ce qu'il avait connu à Chicago. Ça a été compliqué pour lui. Il a été très affecté parce qu'il avait un rôle important à Minnesota. Et il l'a connu à Minnesota et à New York, du coup, D-Rose. Et il a dit qu'avec cette équipe et avec son style de management qu'il a modifié, Thibodeau a quand même retrouvé le sourire, qu'il a rarement vu aussi. Ouais. Alors nous, on le voit pas sur le bord du terrain, donc je pense que ça doit être en dehors. Non, mais tu le vois un peu dans des confs de presse où ouais, voilà. Il a retrouvé quelques sourires. Donc tu te dis, voilà, tu sens que le mec, il est serein et que tout se passe bien. Et voilà, il se sent bien ici. Je pense qu'il a modifié sa façon de faire, son approche. Il a des jeunes réceptifs, revanchards, voilà, qui ont le couteau sous les dents. Et en fait, tout fit. Donc c'est vrai que c'est magnifique pour nous, hein, cette saison. Tout fit. À part Topin, tout fit. Donc c'est cool. Et encore, ouais. Je trouve que Topin, il a un meilleur visage. Il a un meilleur visage. On sent qu'il est un peu plus détendu. Je sens moins de pression qui transpire dans son body language. Mais, ouais, je pense qu'il s'entend bien avec Nox et Franck, donc il a compris. On fera une saison, mais ouais, le groupe vit bien. Le groupe vit bien. Le groupe vit bien, ouais. Oui, le groupe vit bien. Ils essayent de shooter entre les échelles et le panier, c'est cool. Ah, les salauds. Bon, messieurs, en tout cas, il est temps quand même pour nous de conclure cet épisode. Hein. Donc, évidemment, je pense que vous l'avez tous entendu dans notre générique. Un hommage vibrant à Dynamique. Johannis, si tu pouvais en parler. Ouais, alors on voulait pas plomber l'ambiance par un message un peu pesant peut-être en début d'épisode. Donc, on le garde pour la fin. Même si je vais terminer quand même sur une belle note. Mais voilà, bon, vous le savez, on est amoureux des Knicks, on est amoureux de New York. Et à New York, il y a une culture importante qui est la culture de la musique, la culture du hip-hop. Et voilà, DMX, un rappeur que certains ont pu connaître dans les débuts des années 2000, fin 90-2000, a été une méga star hein, aux États-Unis. Voilà, et nous a quittés il y a quelques semaines de ça. La suite, d'un accident, on va dire cardiaque. C'est un artiste marquant de sa génération. Et pour ceux qui ont eu la chance de se rendre au Madison Square Garden, d'assister à Imagenix, vous avez sûrement entendu, voilà, peut-être par courte séquence, un peu de DMX, parce qu'il a de gros sons, de gros bangers, comme on dit, qui rythment l'ambiance musicale du Garden. Et voilà, c'est une disparition, comme il y en a d'autres, hein, qui nous attristent. Mais en même temps, voilà, réécouter ces sons, vous le verrez vous l'entendrez sur cet épisode. On a mis quelques instrus de DMX en fond sonore pour l'habillage. Mais c'est souvent des sons qui donnent la patate, qui donnent la forme, qui donnent la pêche, qui donnent l'énergie, quoi. Et rien de mieux pour attaquer des fois des moments un petit peu de doute, de spleen, que de se mettre un bon son qui revigore et tout. Et DMX, c'était ça. Mais t'es pas donc, ça pour un date, hein, ça peut... Non, pour un date, bon, il y a quelques sons un peu plus posés, mais non, clairement, c'est plus des sons pour s'enjailler, pour se mettre... dans la bonne ambiance, donner l'énergie, démarrer un match, un entretien, quelque chose voilà, où on a besoin de se remettre en confiance, c'est les sons qui donnent la pêche. Quoi. Et voilà, DMX, c'était ça, New York lui a rendu hommage, le Garden lui a rendu hommage, donc il était normal qu'à notre tour, on lui rende également. Juste rapidement, Guillaume, t'as plus le mot de la fin pour toi ? Eh ben oui, comme mot de la fin, merci pour votre invitation, ça fait toujours plaisir d'échanger avec des passionnés des Knicks. Merci aussi pour le soutien que vous avez apporté au podcast dès le début. Et pour les gens qui nous écoutent, il faut se dire que cette saison, c'est déjà une réussite, hein, quoi qu'il arrive. Que normalement, on devrait aller en play-off. Maintenant, on n'a plus rien à perdre, on a déjà tout donné. L'avenir semble enfin s'éclaircir. Donc voilà, comme quoi, même les fans des Knicks, faut pas qu'ils perdent espoir. Le soleil finit toujours par revenir. Oui, en espérant que le soleil éteigne pas la série de victoires en cours d'Enix. Hein. Oui, et donc Juju, le mot de la fin pour toi ? Oui, let's go les Knicks, let's go les playoffs. Et oui, qui fait bien sur les insiders américains, type Stephen A. Smith et Michael Rapaport. Oh là là. Ils retournent leur veste à une vitesse grand V. Donc, c'est très, très drôle de les voir s'enjailler sur les Knicks alors qu'il y a encore quelques semaines, parce que ces gars ont quand même attendu qu'on soit quatrième à l'Est. Pour déclarer leur amour, il y a encore quelques semaines, les gars avaient changé d'équipe, donc voilà, c'est tout ce que j'avais. Et Joanny ? Ouais, la bise aux trollers, haters et compagnie, là, qui sont dans les bois en ce moment. Non, mais voilà, kiffer cette saison, franchement, elle est formidable, donc on a envie de l'apprécier jusqu'au bout.
Vous avez pu le voir dans l'épisode, on est plus que passionné et motivé par cette saison. Ça nous fait revivre, ça nous redonne de l'espoir pour la suite, clairement. Les Knicks sont de retour, c'est ce que disait Stout. Bah ouais, j'ai bien l'impression que cette fois-ci, ils ont fait une bonne marche en avant pour retrouver de la crédibilité dans cette ligue. Et ça passera par les playoffs cette saison. Hein. On y est presque. J'ai regardé Basket Référence, ils nous annoncent 96% de chances de faire les playoffs. Donc là, c'est bon, on va y aller. Allez les Knicks. Sauf que si c'est eux qui le disent, vaut mieux avoir confiance. Et bah écoutez, moi, ce que j'ai à dire, c'est que je suis en amour de cette équipe qui fait vraiment penser aux Knicks de 90. Donc voilà, saison courte, à la chasse du dernier strapontin, type underdog, des joueurs qui se révèlent durant la saison, avec en plus un coach qui fait vraiment l'unanimité. Et donc voilà. En amour de ces Knicks-là, et je pense que si ça va loin en playoff, pourra mettre cette équipe-là dans les équipes parmi lesquelles les Knicks nous auront fait kiffer, quoi. Et je vous en tout cas. Ouais, clairement. Au moins sur une saison. Voilà, au moins sur une saison. En tout cas, messieurs, un grand merci. Et comme d'habitude, Knicks un jour, Knicks toujours. On est bien évidemment tous ensemble, les gars. Et puis écoutez, à très bientôt pour un nouvel épisode. Et puis retrouvez-nous évidemment sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Bref, on est partout. Donnez-nous de la force. Continuez à nous transmettre aussi votre énergie. Et dans l'espoir de voir les Knicks enfin en playoff cette année. Un grand merci à tous, messieurs. Merci. Merci. Ciao. Et à très bientôt. Ciao, ciao. I always will be a Knick. Always will be a New Yorker. Thank you very much. Hope you're ready for the next episode. Hey!